J'ai arrêté de dépenser de l'argent. Maintenant, il suffit de jeter du sel dans mon bril et tu me remercieras toujours. Je vais vous apprendre étape par étape cette merveilleuse astuce. Mais d'abord, dites-moi de quelle ville vous venez en regardant cette vidéo. Passons maintenant à l'astuce du jour. Dans un petit bol, ajoutez une cuillère à soupe de sel. Le sel de cuisine que vous avez dans votre maison. Ajoutez ensuite 3 cuillères à soupe de détergent. Le détergent peut aussi être n'importe quel détergent que vous avez. Ensuite, ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre d'alcool. Mélangez bien pour que tout soit complètement dissous. Je vais en profiter pour transmettre un message qui se trouve dans Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce texte dit que Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus pour prendre la punition de nos péchés à notre place. Maintenant, tout ce que nous devons faire pour recevoir le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu consiste à croire en Jésus, en se repentant de nos péchés. Par Jésus, nous sommes libérés de la condamnation et avons accès à Dieu et à la vie éternelle. Continuons la vidéo. Les amis, testons ce petit mélange ici. Ici j'ai cette casserole, qui comme vous pouvez le voir, est assez sale. Je vais vous montrer que cette saleté est très sale. Ici, je vais prendre un morceau de bon bril. Beaucoup diront qu'il ne nettoie que grâce au bon bril. Mais il ne nettoie pas. Vous pouvez y faire le test. J'ai trempé le bon bril dans le mélange et je le frotte sur toute la surface de la poêle. J'ai pris l'excédent et regarde à quoi ça ressemble. Comme il était très sale, j'ai enlevé l'excès de mousse et je vais le bon bril mouiller avec le mélange à nouveau. Et regardez comment ça se présente, les gars. Je vais le rincer maintenant pour que vous puissiez voir le résultat. Regardez ça. Faites-le à la maison, ça marche très bien. C'était le conseil d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille. Câlin et jusqu'à la prochaine vidéo. Au revoir, au revoir.